dimanche 3 mars 2024, première étape du Paris-Nice 2024, 82e édition, au départ des Mureaux. Et voilà, c'est le jour J. Nous sommes sur le point de départ, devant la place de la République. Oh, on va essayer de faire un petit tour. C'est une très grande course qui, comme le disait Thomas, se suffit à elle-même, mais on pense évidemment, on songe au mois de juillet déjà, dès le mois de mars, quand on est sur les routes du Tour. Paris-Nice, il faut être présent tous les jours, on peut avoir un souci dans la plaine, les bordures, les chutes, la tension nerveuse, et puis ensuite, ça monte, il y a un contre-la-montre par équipe qui sera important. Mardi, le Mont Brouilly, très important pour les ascensions et pour les caves d'après l'étape, cher Thomas, je crois, puisque nous sommes relativement bien reçus partout où nous allons. Et puis un dernier week-end dans la RP niçois qui est toujours décisif. Paris-Nice, c'est quasiment chaque année une course à la Hitchcock qui se joue au dernier moment dans les dernières ascensions, notamment au Col d'Est, qu'on retrouvera aussi sur le Tour de France en juillet. Mais je voulais dire un immense merci à Pierre, évidemment, et au département des Yvelines, à François et à la ville des Mureaux, parce que depuis Paris-Nice part des Yvelines, on a une première étape qui est un vrai coup d'envoi. C'est-à-dire qu'il peut tout se passer. On peut avoir un peloton groupé, un sprint massif où Grégory aurait fait un carton, mais on peut avoir aussi un groupe de 5 ou 6 coureurs, 3 coureurs comme les Jumbo-Visma il y a quelques années, 2 coureurs comme Arnaud Démare devant Julien Alaphilippe, et parfois un coureur seul. Donc tout est possible sur le parcours d'aujourd'hui aussi concocté par François Lemarchand avec les équipes Yannick Delabardon et bien sûr Thierry Gouvenou. Donc voilà, c'est un super début de saison. Regardez, c'est pas encore le soleil d'Austerlitz, mais il est déjà là. Vive le vélo, vive les Yvelines, vive Paris-Nice, vive le Tour. Barrière, un bord derrière, s'est imposé sur les routes du Tour de France à 3 reprises par le passé. Attaquant dans le final, c'était à Aubac dans le sud de la France, deuxième de la Bretagne. Édition de Paris-Nice, le coup d'envoi tout à l'heure à 13h en ce qui concerne le départ fictif. Ouais, mais j'ai dit l'espoir. Bon, c'est pas comme ça. Michael, un coureur venu d'Alsace, ici dans l'Hexagone. Il est originaire d'Alkirch, une localité qui accueillera les prochains championnats de France de l'avenir. Il a 30 ans, il avait gagné le trophée. Voilà, on termine notre petit tour avec quelques présentations des coureurs et des équipes. Vous avez. C'était juste un petit tour hein, pour avoir la course à France Télévisions, hein, ce sera mieux pour les rediff. Ce reportage se termine là-dessus. Et puis, bonne course. Et j'espère que vous avez apprécié ce petit tour dans les caravanes. Allez, salut tout le monde.